Nous revoici après une petite pause. Plus ennuyeuse que la vôtre. Les gens, voilà. N'ayons pas peur de la bruit. On a mangé un peu, oui. Donc, les gens se sont rassemblés autour de nous en attendant. Hein. Ils nous reluquent un petit peu, hein, ils sont curieux. Ouais, parce que bon, je suis moche. Il va falloir changer ce look, ouais. Ouais. J'y peux rien. En plus, t'as donné tous tes sous, alors du coup, tu vas avoir du mal à acheter. Non, c'est faux. Donc, allons. Je veux ce poster dans ma chambre, donc j'arrive. On doit faire quoi là en fait déjà? Rappelle-moi. Aller dans la bibliothèque. Donc, ah oui, c'est vrai. Ramener la preuve qu'on est un héros. Oui. Youpi tralala. Nous sommes des héros. C'est pourquoi? Tu me fais pitié toi. Ouais. Ça va? Donne-moi des points. Tu es beaucoup trop généreuse. C'est marrant, je reçois des points moi aussi quand tu donnes de l'argent. Tu vois, ça t'arrange. Bon bah donne tes sous alors. D'accord. Ah, gentil jusqu'au bout. Cette fourrure et ce cuir vous donnent une sacrée expérience. Moi j'y crains pas, je veux dire. Ah. Putain, t'es déjà à 24. C'est pas là où il y a le mec avec les nains. Je sais pas si on peut tout de suite le faire. On va regarder. J'ai tout près commencé la quête des nains. Bah ils sont là en tout cas, mais... Ouais, ils sont tout mignons. Bah, c'est vrai que quand ils sont en mode normal, je les trouve chelous. Ouais, enfin, c'est qu'après quoi, tu dis, oh punaise, j'ai pas envie de l'avoir celui-là. C'est un petit peu flippant quand même, hein. Des nains de jardin, je sais pas, j'ai tendance à trouver ça un peu flippant. Non... C'est un peu space, quoi. Gentil, les nains de jardin. Oui, oui, ils sont censés être gentils. Censés. J'adore les répliques des nains. Oui, oui, elles sont très sympas. Je me suis bien amusée à noter presque les trois quarts de ce qu'ils disent. Celles des gargouilles sont cool aussi. En fait, c'est un petit peu sur le même... Oula, ça lague un peu. Ah. C'est cool. Ah ouais, les chocolats, là, tu sais. Ah, Mignork! Vas-y, il a que les objets qui... Bonne nuit. Bonne nuit. La bibliothèque est fermée sur ordre du roi. Coupe. Ne sert pas à moi. On ne vend pas de nourriture. Ce qui est marrant, c'est que tu peux pas les refuser, les objets. Ouais. Que les soldats vous soupçonnent d'avoir appris quelque chose. Oh, mais nom de Papyrus! Serait-ce vraiment un visiteur? Malheureusement, ce que je vous dis est vrai. Le roi Logan a fermé l'académie. Je dois vous dire que je ne suis plus guère. Le chien, il me renifle le cul. Pardon. On ne sent pas le cul. Ça suquait. Pardon. Nom de. Nom de la fumée sacrée. Mais c'est le sang de la guide. Vous n'avez pas revu ici depuis la venue de l'ancien roi héroïque. Et donc vous êtes. La princesse. Oui. Oh, eh bien, je vous en prie. Je fais bonne. Venez donc ici. Quand elle a dit la princesse, on aurait dit qu'elle était en train de chier, enfin, de forcer, tu sais. Ça vient pas. La princesse. C'est lui qui a fondé l'académie. Non, j'ai trop de risques. Je me suis souvent demandé comment il réagirait s'il pouvait voir dans quel état elle se trouve aujourd'hui. Bon, ça fait quand même deux blagues pipi caca là, tout ça. Oui, j'aime beaucoup ce que vous hein. Et alors? Je saurais vous dire combien de chercheurs et de professeurs éminents ont examiné cette porte dans l'espoir de parvenir à en actionner le mécanisme. Par contre, Samuel, il n'a pas demandé qui c'était le mec qui te suivait. Que seul une chose nous permettrait un jour de l'ouvrir. Ah, stalker, on va pas faire gaffe. Ouais, elles sont plutôt chiantes par ici. Une villageois qui vous aime, zéro. Personne ne t'aime. Toi non plus, hein. Ah, mais moi ça va changer, ils vont m'offrir plein de cadeaux. Je sais. Il y en a même un, il m'aimait tellement que pour un mendiant, je vais lui faire l'aumône.
Et à la place de donner de l'argent, il y avait l'option se marier. Et tu t'es trompée? Je me suis trompée. J'ai dû recharger la partie parce que j'avais pas envie de me marier avec quelqu'un d'autre. Au pire, tu le tues. Ça l'aurait pas fait du tout. Bon, après, c'est pas très utile pour non, l'héritage. Non, parce que je suis gentille. Moi, je tue pas. Le clodo, il devait être content. Hein. Ouais, j'ai mis ma clé à l'épée. Veillez juste à étriper l'autre avant qu'il ne vous étripe. C'est vraiment pas difficile. J'adore les Sasuke. Fais chier. Oh là là, Sasuke. Makikoz. Merde, j'ai pas pu en même temps. Faudra qu'on essaye de le faire la prochaine fois. Genre. Mais merde, chien, mais merde. Oula. Ah, j'ai 40, moi, merde, ouais. Juste eu du G. Je crois que t'as eu 20 pièces. Ah bon? Ouais. T'as eu 20 pièces et moi, 40. Et l'autre de côté, vu qu'il veut pas aller direct au truc. Oui, je crois en plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ce qu'il fait. Bon, bah, vas-y. Yeah. Éducation, Ken. Moi, j'ai un diamant. Non, 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 t'es. C'est nul. Pas pensé. Ah, c'est pas celui-là, c'est pas le mien. Allez, si, ça te tient. Bébé. Ça veut pas siffler. Ouais, quand on est à deux, ça bug un tout petit peu. Ah, si. Arracher la gorge. Oh, c'est mignon, ça, dis donc. Ouais. C'est l'expression que vous avez appris à votre chien, arracher la gorge, les gens. Oui. Cette bibliothèque se délabre sous le poids de tonnes de tomes non lus, pardon. Putain, mais moi j'ai que des trucs de pyjama. C'est qu'il est l'heure d'aller dormir. Ça doit être trop la classe d'être en pyjama comme ça dans la rue. Chiche, non, je vais. Pas quelque chose de ce côté. Moi, ne pas aimer suivre les chemins dorés. Il y a souvent des choses de toute façon à trouver. Oui, c'est pour ça. Ouais. Les deux chiens. Ouais, les sous. Oui, quoi. T'as déjà eu des fakes, justement, par rapport aux chiens? Je sais pas, par moment, il se met à aboyer, il se montre une direction, mais il y a rien, ou un truc comme ça. Je crois pas. Moi, il y en a une fois, il me l'a fait dans le désert, chercher les plantes. Putain, il s'isole sur une. Colline, pendant 3 heures j'ai attendu, j'ai cherché partout. Ah bah le chien il continue à montrer l'endroit. Bah. Hein. Il y a eu un gros bug. Sûrement, ouais. Il était bourré. Ah, bonjour, c'est encore Jasper. Je crois que cet incroyable dispositif est connu sous le nom de bobine rotative. Mais dans la série des choses étonnantes, vous n'allez jamais croire ce que je viens de trouver au sanctuaire. Oh, non. Tâchez de revenir dès que possible. D'accord. Maintenant. Ce sanctuaire abrite une armurerie qui contient des armes absolument incroyables. Des armes héroïques que votre père vous a léguées. Veuillez me suivre. D'ailleurs, passe devant. Bon. À première vue, con, c'est majordome. Ces armes n'ont rien d'impressionnant. Non, génial, mais d'après le livre, à mesure que vous les utilisez, moi, elles deviennent de plus en plus redoutables et développent de formidables propriétés. Ce sont des armes vivantes et la façon dont vous combattez avec elles détermine leur évolution. Elles sont vivantes, elles partent. Elles sont comme l'Excalibur dans Solitaire. Ah oui, c'est vrai, tu peux même renommer ton arme. Cette épée fera des ravages contre vos ennemis. Et selon la victime et la méthode employée pour la tuer, elle deviendra encore plus puissante. Bon, maintenant que vous avez une arme digne de ce nom, vous devriez retourner dans les salles situées sous l'académie de Greatwall. D'accord. Attends, je vais y aller oui. Aussi à mon tour. Bienvenue au sanctuaire. Ah ouais, salut. L'armurerie est à votre disposition. Ah, ça vient de la magie encore. L'épée est une arme rapide. Je vais juste changer mon épée, voilà. Enfin, mon arme, parce que j'avais un marteau et j'aime pas les marteaux.
Ceci est un gantelet, un objet incroyable. Je vais prendre choc en fait. Juste pour varier par rapport à toi. Ouais. Vas-y, comment il fait des compliments, moi, il me dit rien. Il vous fallait autre chose. Il me trompe, j'espère, je suis triste. Il est peut-être gay, j'espère. Ah. Mais quand même, tu me trompes. Ouais. Où allons-nous? Aide-moi à trouver le chemin. Xerès, l'exploratrice. Oh mon dieu. Le remake. Ah, on va faire des combats intéressants. Le remake. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous jeter par-dessus bord. Allez. Bon, bah là, c'est le début de l'action. Ils sont jouissifs à tuer les hommes creux. Ouais. J'aurais même pas le temps de m'approcher des ennemis en fait que tu vas les tuer. Oh bah attends, hé, moi j'attends pas 3 heures. Je te dis, je suis plus magie donc. Oh, putain, il est lent hein, par contre. Roulade! Déjà, bah, les codes de combat. Je sais même plus comment on fait une roulade. J'appuie sur A. D'accord. Ça remplace vraiment courir. Bon, bah voilà. Hein. C'était le premier vrai combat parce que, bon, jusqu'ici, à part des chauves-souris et des loups en mousse, on n'a pas affronté grand chose. On se bave du boudron. Oui. Sasuke! Oh, snacks! Ne rajoutez pas ces gens pour les troller. Hein. Même si c'est drôle. Même si c'est drôle. Remarque, snacks, vous pouvez. Hein. C'est un pote à mon neveu. Non, je déconne. Ah, mais vas-y, il a 2000, j'ai 200. C'est dégueulasse. Ton chien est mort. Il est couché sur le dos. Mais il est con, Sasuke. Quel dommage, Vivi, enterre-le. Je le mets juste sur le dos. Pas grave, tuons-le. Voilà, jouer la bonne humeur. Vas-y, fais-le mort, parfait, maintenant, reste comme ça. Faites attention, princesse, je suis ici pour vous protéger. Ouais. Bim. Ouais, je te laisse faire. Mais il est dur à accéder, je crois. Faut faire plein de trucs. Ah non, on peut y aller non, direct. Pas du tout, vous y avez pas ça. Ah non, bah c'est pas celui-là alors. Et que j'ai fouillé partout, hein. Mais en fait, je crois que je l'avais jamais ouvert celui-là finalement. Je suis Indiana Jones version fille, hein. Si on verra, il vaut plus. Indianette. C'est Indiana Jones, ok. Un collier. Oh non, il a toujours les bons trucs, plus dégueulasse. Oh. Remboursé. Je vais venir à ma maman. Non, je vais dire Logan. C'est un boulot très difficile de protéger une princesse aventurière comme vous, donc s'il vous plaît. Non. Des fois, je vais essayer de faire tout le truc qu'avec de la magie, ça va être facile. J'arrive même pas à les toucher. Il faudrait qu'on augmente la difficulté. Je crois qu'il n'y a même pas de possibilité de le faire en plus. Je crois qu'il n'y a pas de niveau de difficulté dans Fable. Non. Sinon on l'aurait sûrement fait parce qu'à 2 c'est quand même... Enfin déjà qu'à 1 c'est super simple alors à 2... Oui. Mais vas-y là. C'est dégueulasse. Mais je des sous moi. C'est ma paye pour protéger la princesse. Le chien il fait mort. Tue-le. C'est beau, je ne fais pas exprès de viser. C'est quoi? Ça ferme pas le chien. Merde. Pendant ce temps-là, oh d'accord. Je regarde s'il y a rien. C'est... Je sais pas si toi les techniques spéciales au combat, il peut le faire. Version mec, parce que quand elle est en fille, elle fait une technique mais énorme, c'est-à-dire que elle saute
elle serre entre ses jambes la tête du mec et plaf, elle le... Si, je crois que le mec peut le faire. Peut le faire aussi. Il me semble, ouais. J'y mettrai pas ma main à couper, mais il me semble avoir déjà vu, enfin, avoir déjà vu un mec le faire. C'est hyper. Coffre. C'est moi qui ouvre. Et là, il y a un truc. Vas-y, c'est cheaté. Pour une fois, c'est moi qui ouvre. C'est quand même toi qui récupère le butin. Non, t'as la santé, c'est cheaté. Moi, je m'en fous du ralentissement. Je fais tout en temps direct, moi. Alors, même si on n'est pas en live, je peux regarder la carte du joueur. Logique. Mais parfaitement. Elle attaque! Qu'est-ce qu'ils sont faibles? J'arrive pas à les toucher! Chaque fois que je tape dans le vide, je brasse de l'air. Je sers à rien. Vraiment, mon fric! Ah bah attends, bah du coup je vais. Ah non, on peut pas. Apparemment, non. Il y a un chien qui se planque là-bas. Je sais pas ce qu'il fait, mais essaie de rentrer dans le coffre. Il faut faire le tour, je crois. Oh, fugue. Fugue, il y a rien de plus. Double fugue. Il y a quelque chose, là. Non, il n'y a rien. Toujours hors des sentiers battus, là. Oh, bah, autant la première fois que j'y ai joué, justement, je ne faisais que suivre le chemin. Puis maintenant, bah, hop. J'ai sauté, mais je sais pas où je suis. Ah, ouais. Ah, c'est qu'il fallait que je suive. Il a eu du mal, mon personnage. Heureusement que c'est pas. Un peu plus tard, il y a plein de squelettes, normalement, ici, quand on a. Ah, le temps que je saute, moi je viens pas. Bon, bah j'ai le temps de faire massacrer. Faut sauter. À la une, à la deux. Oui! Plouf! Et les chiens. Venez les chiens. Ah bah voilà. Et de un. Ah, c'est le mien. Je suis sûr qu'en vrai, un chien il aurait peur quand même de sauter. Ça dépend. Alors par contre, il y a un truc que je trouve pas très logique par rapport au chien de Fable 2. C'est le nombre d'années qu'il vit. Parce que le chien, il vit 30 ans au moins. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a plein d'ellipses. Ouais, bah déjà, il y a la première quand... entre l'enfance et le passage à l'âge adulte du héros. Après, il y a une ellipse de 10 ans. Je crois qu'il y en a encore une de 10 ans après. Ouais, d'après ce que j'ai dit. Je te laisse faire. Je crois que tu le jettes sur la porte en fait. Ah d'accord, c'est pas comme ça. Aïe! Oh, pas belle! Je dis même pas le truc en haut quoi, je fais. Je me concentre sur mon personnage qui fait des positions là. Je crois qu'il y a ton chien qui emmerde le monde. C'est mon chien ça? Je sais pas. Bon, ah non, c'est le mien qui fait chier. On s'en fout, au pire, il viendra. Il est où mon chien, bebe? Mais c'est pas grave, il s'est perdu dans l'eau, il s'est noyé. On s'en fera un emmerdeur en moins. J'ai rien dit. De toute façon, il reviendra. Il se téléportera. C'est un chien magique. Ouais. Ou pas, mais Ouais, j'ai tué un homme creux. Je sers à quelque chose. Cette fois, c'est marrant comment je prépare mes attaques dans le vide. Moi je les massacre avant que le temps. Vivement qu'ils deviennent plus forts quand même. Ouais. Il y a le général là, t'as tout le temps. Bon, l'avantage c'est que comme on tue la moitié chacun des ennemis, bah du coup l'expérience est divisée par deux, donc on sera deux fois moins fort au final. Mais bon, je cherche, on sait jamais. Il est de retour, bebe. Ah, ah. Ah oui. Il était parti fumer de la beuh, il est revenu. Elle. C'est ça qui marche pas trop droit. C'est une sainte. Ah oui, elle, pardon. Ah, c'est quoi ça déjà? Alors c'est comme ça que ça se termine. J'ai volé les plans du donjon à l'architecte qui l'a construit. Trouvé l'entrée secrète de l'autre côté de Mystique. Ah, oh, je savais pas ça. Me suis cogné le pied tranché au point que ça me fait mal. C'est la dernière fois que je cherchais. Maintenant ça. C'est pour ça que je sais. Je sais qu'un somptueux trésor se cache quelque part ici. Je savais pas. Franchement, je savais pas du tout qu'on pouvait ouvrir cette porte.
Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas avant d'avoir résolu cette énigme. Attends, c'est pas évident, hein, Rock. J'ai pas assez regardé les Solus. Ah bah, moi, au final, vu qu'il ne restait que deux clés à chercher partout, donc c'est sûr que. Une à Morningwood, c'est plein de zombies. Faut que j'arrête de dire zombie ou squelette, alors c'est un hyper précis. Les noms creux. Voilà. C'est plus amusant de dire. Ce que je trouve jouissif quand même avec les hommes creux, c'est quand ils explosent. Tu as une souris de merde! Sasuke! Putain! En plus, là, tu te bats normalement. Voilà, fin de justice de la fille. Je crois que en plus, mes sœurs, ils ont de l'avance sur les tiens. Bah, en même temps, toi t'es déjà arrivé à choc et moi je suis toujours avec ma boule de feu. Ouais, mais je sais même pas si c'est le et personnage de Champagne du coup. Je sais pas ce que j'ai eu. Je sais pas non plus. J'ai appuyé un peu vite. Un colis. Bah, allez, on est fou, on est fou. Hop. Oh, la princesse se bat à l'épée. Ça ne rigole pas. Oui, ça servit à rien. Voilà. Attends, laisse-moi en un. Au sol. Oh ouais, elle vit tellement bien qu'elle frappe à côté. Je te le laisse. Oui, elle fait des techniques, mais qui tue, qui touche, rien. Ça, j'aime pas l'idée. Touche pas. Ah, j'adore les têtes. Je suis un gros fan des lames en fait. Ah, moi aussi, mais. Là. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Sasuke! Putain! Il nous saoule ce chien! Il est où ton coffre là? Oui, mais il y a pas de bagarre. Ah, attends. Faudrait que tu tournes la caméra aussi après, mais il me semble que cet endroit me rappelle fortement un endroit où River t'envoie dans le 2. Ah ouais? Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit le même. Enfin bon, je pense que les gens voient de quoi je parle, enfin ceux qui ont joué au 2. Parce que ça ressemble quand même un petit peu.